Nous dit à l'islam, si un timoun ne vit plus
sous la vie, les vous trouve qui les poils vers la réussite, qu'il y soit de dunya, qu'il y soit de akhira. Mon frère, ma chère, il a iman, celui qui refuse mettre en pratique din à l'islam, les faire pouf, alors au pénabit qu'il y pial, maîtrise lui-même via sa propre destruction. Mon frère et ma chère, il a iman, nous dit qui montrez-nous ben bon caractère, comment vivre avec des mouines, ben bon qualité qui vis-à-vis dans nous-mêmes, et aussi bien, comment agir bien vis-à-vis de créatures, pénadul qui s'adigne là, lui parfait. Pénadul qui s'adigne là, c'est ça même ou la clé pour elle, Jenna, c'est qui tout du monde voulait appeler son amour. Mon frère, ma soeur, qui est humaine, elle parmi bonne qualité, qui est musulman, lui disait inadorée, parce que l'islam fait encourage pour nous aider à sa qualité d'adorée. L'islam, c'est une religion qui fait enseigner pour nous inculquer ça dans nous et nous bonnes enfants, c'est ce qui nous appelle la générosité. Un musulman, lui disait une personne qui est généreuse. Un musulman qui n'y a pas à sa qualité d'adorée, en vérité, il fait désobéir à son créateur. Et celui qui n'y a pas généreux, il fait désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bien qui dépense quotidien pendant la nuit et la journée en secret et ouvertement pour bannir et la toute récompense offrée de ce drame, pas pour une la prière aux autres et ni ce pour sa grain. Mon frère et ma soeur qui n'a iman, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître dans sa ayat là, celui qui dépend depuis ce quotidien, celui qui est généreux, aime celui qui est dépensé, qu'il soit bon dans la nuit ou bon dans la journée, en secret ou bien devant du monde en public. Alors, ça va du monde là pour battre et la récompense auprès de ce drap. Mon frère, ma soeur, il a iman, est-ce qu'il s'est pas ça même? Nous, l'objectif, nous pouvons vivre la vie Allah subhanahu wa ta'ala afin de nous être récompensés auprès de nos rabbins. Donc, aime celui qui lui paie la qualité de générosité dans lui, c'est comme s'il fait tous les deux avec récompense de ce rabbin. Et en vérité, aime celui qui fait tous les deux avec récompense de ce rabbin, paie la vie qui lui prend chemin de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous l'exemple des bâtiments de pensée. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مال الإكسام تبان كي ديبانز الجيكين دون الشمع الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. L'exemple de Ban, celui qui dépense du bien dans le chemin d'Allah, dit pour moi, aime la graine qui fait 7 épis germés. Et qui dans chaque épi qui fait une éna sans la graine, Allah les multiplie les récompenses de celui qui les voulait, et Allah les immense et les connaît tout. Malgré la seule bien iman, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne tout l'exemple de celui qui est généreux, qui dépense dans le chemin d'Allah. Sa paix à celui-là, les moitiés tiennent un lagrin. Et depuis ça, un lagrin la finit 7 épis qui finit jamais. Imaginez 7 plantes qui finit jamais, depuis ça, un lagrin là. Depuis ça, un plante qui finit poussé dans sa haine, sa cellule là, finit encore 100. Mon frère, ma soeur, il m'a dit, quand tu t'es sale et augmenté, comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut dire que c'est une récompense. Au fin de dépense, elle l'a grande. Au fin de dépense, elle a ses affaires.
l'efficacité sa récompense est augmentée. Les 27, ça c'est la vie de sang. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire une récompense, vous savez, l'augmenter. Malgré ma seule animal, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْكَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلْ فِي فَمِنْ رَبْأَتِهَا. قلت رسول صلى الله عليه وسلم الكتية إذا سحديثك سأمتنك كالكريف فاسل سيدي لبنسي فبزا عن الهودي تلزو فوق لبنسي كنت سوا لبنسي. Mais la générosité, c'est la petite chose qui, si dans les passés, nous faisons ce hadith-là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait dire de ne pas faire aucune dépense en cherchant le plaisir d'Allah, excepté qu'il doit être récompensé pour ça, jusqu'à ce qu'il te mette dans la bouche de ton madame. Jusqu'à ce qu'on mette dans la bouche de madame, c'est une générosité qu'on peut faire. Une forme de générosité qu'on peut donner. C'est un soin d'avoir. Dépense de madame, faire madame manger. Alors, mes frères, ma soeur et l'animal, ça, les autres, nous qui dépensons, il n'a pas difficile. Mais c'est nous qui nous avons de faire. C'est nous qui nous avons devenus généreux. D'aller être maman, vous pouvez être l'épouser de générosité là, qui a été grave et grave, c'est une personne qui a sa qualité là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu mri'in fi kulli sadaqatihi hatta yusala bayna an-nas. Chaque personne reste dans le cadre de ce sadaqa le jour du Qiyama. Ou sadaqa que vous pouvez faire, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit le jour du Qiyama, chaque personne pour sous le cadre de ce sadaqa qu'il a fait. Jusqu'à ce qu'Allah pour faire un jugement parmi les gens. Vous l'avez pu dire, ma frère, ma soeur, mon animal. Guette-moi, soit d'accord que vous faites des tchit-tchit. Guette-moi, les vignes, dans vos dispositions. Dans l'ombrase. Vous restez dans l'ombrase. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit il y a sept catégories de personnes qui, Allah, vous mettez en bas sur l'ombrage jusqu'à ce que tu n'apprennes aucun ombrage, excepté sur l'ombrase. Zou qui pas prena aucun l'ombrase, excepté l'ombrase Allah. Dès qu'on soit d'accord. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit un parmi ça, c'est un monde. Une personne qui me donne ce soit d'accord. Et il vient cacher jusqu'à qui se la met gauche, par une volée qui se la met droite, qui me dépense. Malgré ma vie à dire Iman, à Zoudi, maladie, là, les grands et les bébondis. Ce qui sache du monde qui t'a fait soit d'accord. Aujourd'hui, il prend l'Ikma et l'Onir, il peut dire photo, et il peut publier sa porte sur les réseaux sociaux, afin qu'il dit que ça, c'est un dimon qui est généreux. Alors, mon frère, ma chère, il est humain. Attention à des conseillers qui ne peuvent pas être récompensés pour sa main. Gros charité qui peut faire là, mais nous ne pouvons pas faire l'Ikma. Allah. Nous n'avons pas fait cacheté, nous ne pouvons pas faire zéphon pour cacheté. Au contraire, nous zéro pour qu'il s'atteigne tout du monde. Pour qu'il du monde dise moi, généreux, moi. Ça, du monde a des dépenses, ça. Les contents du monde, du monde qui donne dans le besoin. Non, ma frère, ma soeur, qui l'animal. Ou dépense, la charité. Soit d'accord qu'on peut faire, faire un maximum zéro pour casser. Faire un maximum zéro pour pas laisser du monde oublier. Inch'Allah, yawm al-qiyamah, bénéficiez, commencement-là, pas pour avoir des récompenses, commencement avant d'un jugement, même si vous m'en bénéficiez, pour gagner et on passe Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Jabir ibn Zayd, rahmatullah ta'ala, il fait parole. Si mon fils la charité, l'ON latine ou un miskin, ça lui poussait à moi qui fait Hajj après Hajj et Faraz. Ça veut dire Hajj et Faraz. Mais, les deux personnes qui sont venues faire ce Hajj, Hajj qui les fait après.
الو زيد جابر بن زيد كيفيه الصدقه لو ان يتيم وان مسكين سالت كل شيء عليه كي يعني الحج او كيف حج اوبليغاتوار يحيى دعاء لجيم مو با كل اوكين لا غراك بيس بوا دي با مونتاي كي نالو سالاتيلا اكسبتي ان لا غراك ادوني او صدقه Prédécesseur là de dire, les papes ont un problème qui chose, qui pèse plus lourd, les prend plus de qui chose, elle n'a rien. Les papes ont un problème là qui pèse plus lourd, qui va de montagne au salaté là, excepté elle n'a rien qui peut être dépensé comme son effort. Ma frère, ma soeur, mon animal, n'a pas sous-estime son effort. N'a pas souhaité moi n'a telle qualité des gens. Moi n'a pas fait chier avec Allah Azza wa Jal, moi le tawhid, moi. Mais ça m'a une qualité la pénale dans nous. Alors on fait attention, ma frère, ma soeur, il a dit. Fais attention. Parce que sa qualité qui m'a fait trop une petite petite là. La générosité se récompense les grands. Se lever les grands. Allô, nous qui valide d'un ami qui dépense dans le chemin d'Allah, un ami qui généreux. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit wal yad al ulya khayrun min al yad al soufla. L'ami qui est là-haut, l'immédiat qui est l'ami qui est en bas, qui veut dire ça, c'est le hadith. اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة لا ميل أول من يك لا ميل أبا لا ميل أول سي لا ميل كي ديبونسي لا ميل أبا سي لا ميل كي بخون من فري من شر إلى إيمان دونيل أن شارجي دون صدقة ni pas réservé seulement à ban celui qui riche n'est pas réservé seulement à ban celui qui possédait. Comment nous vous dire, dépense de une famille, c'est un soin d'accord. Donne un vie et de l'eau, c'est un meilleur soin d'accord que vous n'avez pas fait. Même si un enfant ne peut pas une bouteille de l'eau qui sauve papa pour rester dans la cuisine, c'est faux qu'il ne fait pas pour vivre là, il met de l'eau là, il n'a donné ce papa, c'est un histoire d'accord. Même si papa là, il a seulement de l'eau là. Mais il vient donne ça, papa là, boire. Paris, premier mot qu'il dit, moi, elle mangeait l'argent, boire, maintenant, c'est pas un histoire d'accord. Allô, mon frère, ma chérie, mon animal. Nous comptons très bien. À chaque fois qu'il y a une opportunité pour faire une bonne action présente devant nous, parmi les bonnes qualités de les musulmans, ce qui nous parle de vous, ça, l'opportunité là. Des fois, il y a l'opportunité qui vient vers nous. Des fois, nous avons un droit de bonne opportunité pour faire une bonne action. Mais quand ça va une opportunité là, qui devant nous, n'a pas tout les deux. Et surtout, si vous n'avez pas une capacité de dépenser dans ce salaire-là, une personne, par exemple, vous demandez, salaire-là, vous n'avez pas une, aucun logement avec vous, vous n'avez pas une, aucun boucher manger avec vous, sa personne-là, il peut demander où elle mange. Ou bien une petite casse. Alors, dans ce salaire-là, malgré la valeur qu'il a demandé, bon, il y a quelque chose qui nous bizarre par faire, c'est répondre à cette dimension-là. Répondre à une façon qui nous paierait pour ce livre. Si nous payons, nous payons, nous dialoguons d'une meilleure façon. Mais non plus nous, répondre avec une qualité, veut dire la base, coller, et aussi, si nous avons la capacité de donner sa personne-là, nous donnons sa personne-là. Alors, mon frère, ma soeur, mon imam, un ami qui donnait,
les meilleurs qui est là, mais qui prend. Et quand vous donnez, ma frère, ma soeur, qui est l'humain, c'est un investissement qui n'a pas une à la pire. La générosité, c'est un investissement qui n'a pas une à la pire. Alors, il a juste profit pour la loi. Comment, ma frère, ma soeur, qui est l'humain? Comme vous venez donner, des 3-0 dans mon compte de la banque, vous. Allez, allez. Vous leur en avez souligné. Sa personne-là fait une croix dans l'homme, elle fait quelque chose, les filles qui ont fait un mois, elle est allée. Les sujets, quoi, c'est manger pour cela, famille, finalement, il y a une consomme, va être intoxiquant avec ça, là, on là. Est-ce qu'il va me faire la pire? Non, ma frère, ma soeur, qui est l'animal. Qu'il soit en ce qui concerne pour leurs enfants, où on n'a pas pu faire la pire, qu'il y soit en ce qui concerne ou après la prochaine, on n'a pas pu faire la pire. Ma frère, ma soeur, qui est l'animal. الله سبحانه وتعالى جير وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين دونك الله رب العالمين بجير سد فدفاس نوني برشمة الله اكسبتك الله لغام تسلي اكسبتك كي الله لغام تسلي اي الله لنميه دمان نوريسير Allah est le meilleur de ma nourriture. Vous venez dépenser pour nourrir un démon. Une partie de vos richesses qui allait. Allah est le meilleur de ma nourriture. Peine à personne qui est capable de nourrir vous, l'idée qui Allah. Peine à personne qui est capable de nourrir vous, autre qui Allah. Dépensez mal frère, ma soeur, bien animal. Le musulman, il n'a pas payé pour faire des dépenses qui sont utiles. On peut dire des dépenses inutiles, gaspillage. Le musulman, quand il a pu dépenser dans le chemin d'Allah, faire des dépenses utiles, dans le chemin d'Allah, nous réclamer, c'est aussi nos dépenses, nos familles. Le musulman, il n'y a pas d'hésitation. Il fait, Wallah, khayru al-raziqin. Allah, c'est le meilleur de ma nourriture. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم انفق عليك. Allah dit, aux enfants Adam, dépensez et en retour pour dépenser leurs droits. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ما نقصت صدقة من مال لا charité n'a pas diminué richesse. La charité, sadaqa, n'a pas diminué richesse d'un démon. Mon frère, ma soeur, qui est l'animal. Moi, on connaît, c'est quoi vraie générosité? Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le monde de vous. Où est-ce simplement pour suivre? Où est-ce simplement pour prendre comment un modèle? Mais c'est nous passions. Embêtez qui chez comme il faut finir, embêtez-nous. C'est nous qui bénéficions pour suivre. C'est nous qui bénéficions pour prendre comme l'exemple. Pénalement, il est difficile de prendre comme l'exemple. Au contraire, de prendre comme l'exemple et la facilité pour nous. J'y suis. Et la barre est à Et dans le succès de la vie, il y a un talent. C'est en la personne de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tandis qu'il va le sahaba dire pour cette générosité de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le sahabi Jabir radiallahu alayhi wa sallam. Ma su'il al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam an shay'in. Qattu fa qala la. Zami ki kanfin dimani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dit chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non. Jamais qui quelqu'un des mains de Rasul sallallahu alayhi wa sallam en dit chose que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit non. Le sahabi Anas radiallahu anhu dit كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجمل الناس. Le prophète صلى الله عليه وسلم تي la meilleure personne, تي le plus courageux et تي plus beaucoup généreux.
Rasul sallallahu alaihi wasallam, c'est celui qui priait seul par Kaaba et dépasse sa générosité. Alors le nazis poursuivit. Abu Dhabi Safwan ibn Umayya et dit, Sierra Allah, le messager d'Allah sallallahu alaihi wasallam, fit de moi un conseil et une chose, et qu'il est la personne qui s'y prie par content. Getsa, mon frère, ma soeur, il a l'iman. Sa sahabila. Avant, personne qui t'y prie par content, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu générais en vérité, il y a une personne qui est content. Et il dit à lui, continue de moi jusqu'à ce qu'il vienne la personne qui est plus content. Il connaît qui le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui qualité donnée, tu veux donner l'autre hadith, rapporte-toi à l'Assam radiallahu alayhi wa sallam. Personne n'a fait demander le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un qui chose au nom d'Islam, excepté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous donne. Une fois, une personne qui est venue et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient donner une quantité de moutons qui remplit l'espace qui tient en démontagne. Les filles retournent vers ce peuple et les filles disent « Oh mon peuple, acceptez l'islam, certainement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait une qualité de nation qui vient pas pire la pauvreté. » Voilà ma frère, ma chère Binaïman, sa qualité et générosité là qui nous visait et n'a dormi. Une qualité générée qui nous a générée qui nous pas pire la pauvreté. Nous connaissons, c'est Allah qui nous donne moi. Allah indique à moi qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit que la charité n'a pas diminué richesse. Mon ami Kouliban l'a donc. Mon dépense d'une telle façon, utilement, dans le chemin d'Allah, comme une personne qui n'a pas payé la pauvreté. Voilà, ça c'était la générosité de mon prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu l'Qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله كثيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. من ثيب الشيخ من الإيمان لا جبل غزوتي سكالتي للمؤمن إكم سامر سولي كونتخير لكزين باكالتي للمسلمان فاضرق با qui est un musulman, il y en a ce qu'on appelle la maladie, qui appelle l'avarice dans lui. Pas content de penser, ou bien nous te dire que c'est un musulman à bord. Un frère, ma soeur, il a l'iman, c'est pas un homme qui n'est pas compatible. Un musulman qui est à bord, qui fait parce qu'il nous propose concernant de bien associer ensemble avec un digne qui lutte contre l'avarice, qui prône la générosité, un musulman, le mot musulman, il suffit pour nous comprendre si c'est une personne qui est généreuse. Je dis un musulman qui est généreux, c'est que moi je peux faire répétition. Quand je dis un musulman, je dis qu'il ne comprend pas si c'est une personne qui est généreuse. Alors, quand je dis un musulman à bord, ça ne va pas rentrer. Dès qu'on fait ça. Il n'est pas possible qu'un musulman en même temps d'avoir un frère, un frère, un animal. L'avarice, les ruines, les pieds d'un jeune. C'est une maladie qui vient grave, qui les dirige directement vers l'enfer. N'a pas sous-estime sa maladie-là. N'a pas froid, c'est une simple maladie. Un petit défaut qui est dans moi, ça. On pas trop content de penser, moi. Que la dépense dans le chemin d'Allah, on pas là-bas, moi. Non, mon frère, ma soeur, qui m'aime mal. Pas de petite maladie, ça. C'est une maladie qui dirige vers Dieu, l'envie directement. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les dit Wa aïe da'in, adwa min al-bughl. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit Qui maladie qui plie grave que la barisse. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit
qui maladie qui plus grave qui pas dépensé. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit شر ما في رجل شح حارع وجبن خارع. Qualité plus pire qui est capable d'être dans une personne, c'est l'avarice, accompagnée avec l'envie qui fait manque de patience et elle est bonne achetée, qui comme si qui débite sur les pieds. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit jamais l'avarice accompagnée avec l'envie et l'iman rassemblé dans les pieds d'un esclave. C'est ça, malgré ma chère, l'iman dire que le musulman est à bord, et pas qu'à bord, ça. Parce que l'iman est l'avarice. Et avec l'envie, il n'a pas besoin de l'équipe des démons. Il n'a pas besoin de l'équipe des démons. L'avarice et l'iman, il n'a pas besoin de l'équipe des démons. Alors, dans les autres hadiths, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Qui va habiter l'enfer et n'a sa qualité là-dedans. Habiter l'enfer, j'ai la qualité d'avarice. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Ahdillah, man habite l'enfer, jumma'in, man na'in. Je ramasse beaucoup, je ne pas content dépenser. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit une description. Mais habitant l'enfer, je te ramasse beaucoup, je n'ai pas content de dépenser. Et pour graviter qui s'en maladie là, il y a mal fait, ma chère, il y a mal. Après ça, salat, falaz. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur les mains du dua. Allahumma inni a'udhu bika min al-jubni, wa a'udhu bika min al-bukhli, wa a'udhu bika min an aradda ila ardal al-umr. وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. أو الله مبشيش بروتكسيون avec toi contre la lâcheté. مبشيش بروتكسيون avec toi contre l'avarice. مبشيش بروتكسيون avec toi contre qui te retourne moi à un nouveau village qui m'en vit incapable. مبشيش بروتكسيون avec toi contre فتنة du salemun et contre punition de khabar. Alors ma frère, ma soeur, mon animal, une personne qu'il n'a pas croit le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ce modèle et il nourrit l'avarice dans son équipe, ça l'avarice là, il utilise les pires productions de vin, les autres immoralités dans la vie. Ça a une mauvaise qualité là, pour amener le tourisme à les autres mauvaises qualités, jusqu'à ce qu'il retrouve, qu'il s'appelle là, une personne corrompue, une personne qui rompt avec vin. Acte d'immoralité. Même frère, ma soeur, qui est animal. L'islam, c'est le juste milieu. Dépenser, quand disait dépenser, quand disait dépenser, dans même quelque chose qui est utile dans le chemin d'Allah. Ça, c'est dépenser, ça, c'est générosité. Et le contraire, l'avarice, c'est une mauvaise qualité que l'islam condamne. Alors, même frère, ma soeur, qui est animal. Faudrait pas qu'il nous vienne l'extrême aspect qui nous dépense une qualité dépensée qui n'a gaspillage dans la vie. Il n'est pas possible qu'un musulman n'ait pas de gaspillage. Il n'est pas possible qu'un musulman n'ait pas avec l'exemple de gaspillage. On veut dire, si moi il a pu guetter, on veut dire, on est connu comment faire gaspillage, d'être un musulman qui est musulman, n'est pas possible, ça m'a fait ma soeur qui l'a dit mal. Allô, Vinga! Dans tout le monde qui nous fait pire, surtout dans ce qui nous fait passer comme ibadat, qui nous fait faire comme ibadat, nous fait faire manger comme un sadaqa ou un miskin, nous fait faire manger pour aïd, nous fait couper un animal pour telle occasion d'après l'islam. Fais attention avec gaspillage. N'a pas vu une personne qui veut faire ibadat en même temps qu'il est PC. Mon frère, ma soeur, mon animal. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَ إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا
permet que l'armée enchaînée à te découvre par la barrière, mais n'y a pas des noms du tout. Et pas étant ni trop logement, si notre commune NPSE, l'armée est chargée avec la pauvreté. Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant ce bateau serviteur. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Et même que quand je fais dépense, je ne pas faire gaspillage, ni je t'aborde, mais je reste dans un 10 milliers. Voilà ma très ma chère Guilherme. Ça, c'est le musulman. Les connaît comme il s'est dépensé. Les connaît comme ça qu'il s'est dépensé. Les connaît combien il s'est dépensé. Parce que l'islam ne va pas financer nous pour dépenser une quantité de dépenser dans le chemin d'Allah qui pour moitié nous payons pour dépenser sur nos familles. Non, mais pour la chère Guilherme. Ou ils ont conduit à leurs enfants pour richesse. N'a pas blâme Allah subhanahu wa ta'ala pour vous battre. Dîne-la est clair. L'enseignement-là est clair. Noir sur blanc. Et trop clair. Ou un aziz pour apprendre pour suivre l'imam très mal sur qui l'imam. Comment nous dire, comment il est facile pour suivre sa rassure sallallahu alayhi wa sallam là. Le aziz pour prendre comment le modèle pour suivre lui. Nous prenons la vie facile, nous prenons la vie doux. Mais c'est nous qui te révisons. Pour une simple précipitation que nous avons dans le temps. Nous trop pressés pour une petite chose. Nous trop pressés pour gâter une petite chose. Ou bien nous pouvons souffrir même nous. Nous tournons les deux avec guérison. Un petit calme à ce moment. C'est ça qui nous fait. Nous devons dire en tant que musulmans, mes frères et mes soeurs, l'animal. Alors, demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui embellit à l'humain caractère. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait le vivant musulman qui s'est dans le dîme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui élimine de nous, chers. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui préserve le tawhid. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'amour le tawhid. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui protège nous et nous la famille et nous générations contre maladie bid'ah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait le vivant vrai suivi de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui soulage de mal frère et de mal sœur à travers le monde qui peut souffrir. De mal frère et de mal sœur dans différents pays du monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne le mal mort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une guérison à l'humain malade. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi أجمعين.